Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en cette fête du travail. Imaginez-vous déjà le 7 septembre 2020, 7h38 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Ça va aller de plus en plus mal. On n'est pas sorti de l'auberge comme diraient les cousins français. Est-ce qu'on est dans une reprise en V de l'économie ou une reprise en cas? De plus en plus de gens pensent qu'on est dans une reprise en cas. La reprise en V, ça c'est cette reprise que Donald Trump veut essayer de faire croire hein, à la population américaine que les États-Unis seraient dans une récupération en V, on a eu une chute brutale, qu'on a une reprise rapide de l'économie. C'est loin d'être ça. Parce que le, ce qu'il faut comprendre, le marché boursier, c'est loin d'être le reflet, le reflet de la réalité de l'économie. Pour plusieurs, on est plutôt dans une récession, hein, naturellement importante, qui ressemble plus à une dépression, et qu'on aura une reprise en forme de K de l'économie et non pas en forme de V, où les travailleurs professionnels vont bien ceux de haut de l'échelle, et tous les autres, <laughs> s'en sortent mal. J'en ai deux articles à vous partager. Un qui vient du Business Insider, qui nous dit, et d'ailleurs, euh, on rapporte un peu, euh, on voit toutes sortes de... C'est des centaines de milliers de commerces qui sont fermés aux États-Unis. Des centaines de milliers qui ont fait faillite. Une enseigne fermée dans un restaurant lors de la pandémie de coronavirus. Hein. Puis c'était tous les commerces qui ont été fermés pendant le fameux lockdown pendant la le fameux confinement. Joe Biden a déclaré vendredi dans un discours qu'il reprochait la direction défaillante de Trump d'avoir permis une reprise économique en forme de cas où les hauts salariés s'en tirent mieux que les travailleurs à bas salaire pendant la récession. Des secteurs comme la technologie, la vente au détail et les services logiciels sont en grande partie rétablis et ont commencé à réembaucher, tandis que les voyages, les divertissements, l'hôtellerie et les services de restauration ont continué de baisser après les niveaux de mars. Le résultat est que les emplois à bas salaire, comme le, les, le personnel de restaurant, les travailleurs de transport et les nettoyeurs sont les moins susceptibles de revenir sur pied. Hein. Depuis qu'il est devenu évident que la pandémie de coronavirus créerait une récession, les économistes ont débattu de la forme de celle-ci, avec de grandes implications pour l'avenir de l'économie. Serait-ce une, une, une reprise en forme de V, avec une récupération rapide, une, ou une en forme de U? avec une ré récupération plus douce ou la forme redoutée en elle, sans récupération du tout. Joe Biden a pesé la question ou euh, s'est penché sur la question dans un discours de vendredi accusant le président Trump d'avoir créé une forme plutôt « quand » inhabituelle. Il a déclaré que de nombreux Américains pensaient que le pays rebondirait économiquement dans les mois suivants, les pertes d'emplois record de mars. Mais le leadership de Trump a bâclé cette reprise. En conséquence, les économistes commencent à appeler cette récession une récession en forme de cas, ce qui est une, une phrase fantaisiste pour tout ce qui n'est pas avec la présidence de Trump, a déclaré Biden. Ce que signifie cas, c'est que ceux qui sont au sommet voient les choses augmenter et euh, ceux du milieu et ceux... Qui sont en bas voient les choses se détériorer ou empirer. On le comprend avec la forme hein, de le cas. Donc, les économistes et les experts auxquels Biden a fait référence ont supposé que la reprise économique prend la forme d'un cas permettant à ceux qui sont au sommet de prospérer tout en endettant davantage les Américains. Voici ce que signifie la reprise en forme de cas et comment cela affecte les emplois et les inégalités économiques. Qu'est-ce qu'une récupération en forme de cas? Les États-Unis sont entrés en récession en février, selon le National Bureau of Economic Research, mettant fin à une expansion économique record de 128 mois. Les économistes et les analystes utilisent des lettres comme V, L et I pour décrire leurs projections concernant la durée de la récession et la reprise potentielle à rapporter Benwick, de Business Insider. Une reprise en V, par exemple, est la plus optimiste car elle suggère que les dépenses économiques et l'emploi diminueront rapidement mais reprendront rapidement comme un V. Une forme en U est similaire mais suggère que la période de chômage et de faible activité économique restera plus longue qu'une reprise en V. Les perspectives de reprise en forme de L et I sont beaucoup plus désastreuses, ce qui suggère que le chômage élevé et les faibles dépenses auront d'autres ramifications comme provoquer des défauts de dette et submerger les systèmes de santé une récupération en forme de cas se situe quelque part entre le v et le l selon qui vous êtes. des secteurs comme la technologie la vente au détail et les services logiciels se sont rétablis de l'industrie euh, se sont rétablis et ont commencé à réembaucher tandis que les industries des voyages des divertissements de l'hôtellerie et des services de restauration ont continué de baisser après les niveaux de mars. l'impact économique inégal de la pandémie sur les industries et les travailleurs a été saisissant a écrit jeudi le président ou la présidente de la Chambre de commerce des États-Unis, Susan Clark, dans un article de blog intitulé Enter the Key Shape Recovery. Ce que signifie une reprise en forme de cas pour l'emploi, en mars, à la suite de la propagation rapide du coronavirus qui a poussé les responsables à fermer des entreprises et des écoles, les États-Unis ont perdu 7 millions d'emplois non agricoles et près de 10 millions de personnes ont déposé une demande de chômage. Alors que la perte d'emploi record a frappé les industries du voyage et de l'hôtellerie, certains économistes ont supposé que les États-Unis rebondiraient une fois que les entreprises rouvriraient. Le résultat aurait, été, aurait abouti à une reprise en V où le chômage et les dépenses chutent fortement mais reprennent en peu de temps. Mais les États-Unis doivent encore contrôler le virus au point de le réouvrir en toute sécurité. Le pays a le plus grand nombre d'infections cumulées avec plus de 6 millions. Et une recrudescence des infections a été liée à la réouverture précipitée des restaurants et des entreprises. La reprise stagnante a signifié que les industries de la restauration et du voyage ont continué de baisser, alors que de plus en plus de chaînes et de restaurants ont fait faillite. Alors que la croissance de l'emploi a repris lentement, le taux de chômage est toujours de 8,4% à l'échelle nationale. Clark a déclaré que le secteur des services financiers avait déjà récupéré 94 de son emploi d'avant la pandémie, tandis que les industries des loisirs et du divertissement n'avaient ramené que 74 de leurs anciens travailleurs. Le résultat est que les emplois à bas salaire comme le per les personnels de restauration les travailleurs de transport et les nettoyeurs sont les moins susceptibles de se redresser. Ce n'est pas une surprise à la racine de ceci est le fait que Trump a mal géré la crise du COVID et c'est pourquoi il s'agit d'une pandémie en forme de cas. Vraiment, hein, c'est vraiment pas un cadeau. Et qui est à l'origine de toute cette... Euh, euh, Idée qu'on serait dans une économie en forme de cas, ça nous vient de CNBC, hein, qui est la chaîne spécialisée de l'économie. Les inquiétudes grandissantes face à une reprise économique en forme de cas qui favorise les riches. Alors que l'économie s'efforce de se débarrasser des effets de la pandémie, on craint de plus en plus que la reprise puisse ressembler à un cas. Ce serait un pays où la croissance se poursuit, mais où la croissance est inégale, répartie entre les secteurs et les groupes de revenus. C'est vraiment, vraiment hallucinant. Ça ressemble à, un peu à la raison pour laquelle Trump a été élu, hein, pourquoi on l'a amené là. Et ce qu'il a fait comme travail, c'est de favoriser les industries, les corporations et les riches. Un domaine de préoccupation évident est la dichotomie entre le marché boursier et l'économie réelle. D'autant plus que 52% du marché appartient aux 1% des meilleurs salariés. Ne, ne, ne nous perdons pas sur les différentes lettres de l'alphabet, a déclaré le secrétaire du Trésor, au Trésor Steve Mnuchin. Certaines parties de l'économie ont certainement besoin de plus de travail. On peut voir ici des gens qui passent devant un magasin en faillite le long de la 125e rue dans le quartier de Harlem. L'histoire d'une grande partie de la génération passée a été familière à l'économie américaine, où les avantages de l'expansion vont principalement vers le haut et ceux du bas sont encore plus à la traîne. Certains experts pensent que la pandémie de coronavirus ne fera qu'empirer les choses. Les inquiétudes d'une reprise en forme de cas se multiplient dans la profession d'économie, obsédée par l'alphabet. Cela impliquerait une croissance continue mais nettement répartie entre les industries et les groupes économiques. C'est un scénario dans lequel les grandes surfaces de vente au détail et les banques de Wall Street en profitent et où les magasins, les restaurants et les autres professionnels des services sont à la traîne. Bien qu'il ne soit pas facilement visible dans les chiffres du produit intérieur brut pour les prochains trimestres, qui sembleront criards en termes historiques, les avantages inégaux de la reprise présentent des risques à long terme pour la santé économique nationale. La reprise en forme de cas n'est qu'une réitération de ce que nous avons appelé la bifurcation de l'économie pendant la grande crise financière. Il s'agit en fait de l'inégalité croissante depuis le début des années 80 dans tout le pays et dans l'économie, a déclaré Joseph Brousselas, économiste en chef chez RSM. Quand nous parlons de K, le chemin supérieur du cas » est clairement les marchés financiers, le chemin inférieur est l'économie réelle et les deux sont séparés. En effet, l'un des moyens les plus simples d'envisager le modèle K, Actuel est de regarder la flambée fulgurante du marché boursier depuis fin mars par rapport au reste de l'économie. Alors que le marché a atteint de nouveaux sommets, le produit intérieur, intérieur brut a plongé à son plus haut niveau à un rythme annualisé. Le chômage, tout en diminuant, reste un problème, en particulier dans les groupes à faible revenu et des milliers de petites entreprises ont fait faillite pendant la pandémie. Cela en soi aggrave les inégalités à un moment où 52 des actions. Et des fonds communs de placement sont détenus par les 1% des plus riches. On peut voir ici les, le, le, les 1% des plus riches qui détiennent plus de 52% des actions et des fonds communs. Mais ce n'est pas seulement la propriété d'actifs, c'est la nature de ces actifs. Les gains du marché boursier ont été en grande partie le résultat d'une poignée d'actions, en excluant le nouveau euh, venu salesforce.com. Apple, Microsoft et Home Depot ont contribué plus de, euh, ont contribué plus de points au Dow Jones Industrial Average cette année que les 27 autres actions de l'indice combiné. C'est pourquoi Wall Street, en recherchant la lettre appropriée VWU ou ses variantes, commence à voir K comme une possibilité. Le récit en forme de K gagne du terrain alors que l'histoire de deux reprises correspond bien à la super performance continue des actifs à risque. Et de l'immobilier, tandis que les emplois de première ligne dans le secteur des services risquent d'être éliminés définitivement. Ian Lingen, responsable de la stratégie des taux américains chez BMO Capital Marché, a déclaré dans une note Les actions dominantes, en fait, aident à raconter l'histoire d'une économie en mutation qui laisse derrière eux ceux qui ont moins accès à la technologie qui fascinera, façonnera la reprise. Nous pensons que cela est maintenant réglé que nous assistons à une reprise en forme de cas a écrit Marco Kolanovic, responsable mondial de la recherche macro quantitative et des produits dérivés chez JP Morgan Chase. Kolanovic, qui a prévu un certain nombre de changements majeurs sur le marché, a déclaré que l'évolution rapide de la société pendant la pandémie a déclenché des mouvements qui sont exacerbés par les inégalités, l'utilisation des appareils du cloud et des services internet était appelé à monter en flèche tandis que le reste de l'économie plongeait dans le nez. Les compagnies aériennes, l'énergie, centres commerciaux, bureaux, hôtellerie et etc. a-t-il déclaré, cela a créé d'énormes inégalités non seulement dans la performance des segments économiques, mais dans la société plus largement. D'un côté, les fortunes technologiques ont atteint des sommets sans précédent, tandis que les travailleurs à faible revenu, les cols bleus et ceux qui ne peuvent pas travailler à distance, ont le plus. Souffert. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déploré l'élan que les bas salaires venaient de commencer à voir avant la pandémie. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Banque centrale a adopté la semaine dernière un changement de politique majeur dans lequel elle permettra à l'inflation de dépasser l'objectif de 2 de la Fed pendant un certain temps après qu'elle soit passée sous la barre. Plus qu'une simple déclaration philosophique sur l'inflation, la codification de l'approche permet à la Fed de maintenir les taux d'intérêt bas, même après que le taux de chômage tombe en dessous de ce qui était autrefois considéré comme le plein emploi. Les responsables de la Fed estiment que le maintien d'une politique souple lorsque le taux de chômage a atteint son plus bas niveau depuis 50 ans au cours de l'année écoulée a contribué à une distribution plus large des gains de revenus et devrait être l'approche à suivre. C'est un bon début que la Réserve fédérale, euh, basée sur deux décennies de changements structurels de l'économie et une structure, à, une structure démographique en évolution rapide aux États-Unis, ait décidé de revenir sur sa préférence de longue date pour agir de manière préventive contre l'inflation, alors que les attentes étaient clairement ancrées. La Fed, cependant, a pris une partie de la responsabilité de l'inégalité en mettant en œuvre des politiques qui semblent profiter aux détenteurs d'actifs et ignorer le reste de la population alors que les prêts aux petites entreprises ont mis du temps à sortir la banque centrale a acheté des obligations et des titres de créance pour de grandes entreprises comme apple et microsoft pour, sou pour soutenir le fonctionnement du marché le, piv le pivot d'inflation et un changement qui l'accompagne dans l'approche du taux de chômage sont donc considérés comme un moyen d'orienter la politique plus largement. Certes, la forme réelle de la reprise dépend d'un certain nombre de facteurs, parmi lesquels la direction du virus et la mesure dans laquelle, la mesure dans laquelle le Congrès et la Maison-Blanche parviendront à obtenir une aide fiscale accrue. Ce ralentissement est unique en ce qu'il n'a pas suivi l'un des chemins de baisse habituels comme un resserrement du crédit ou une bulle d'actifs. Au lieu de cela, il s'agissait d'une récession provoquée par le gouvernement, un sous-produit des efforts visant à contenir la pandémie en éloignant délibérément les gens de leur emploi et en réduisant considérablement la capacité des entreprises à fonctionner. Donc vraiment, vraiment euh, hallucinant, hein, vraiment euh, incroyable. C'est pourquoi il est difficile de prévoir le chemin de la récupération. Chaque cycle économique depuis 1990 a été celui où il y avait des caractéristiques K, a déclaré Steven Ricciuto, économiste en chef américain chez Mizu. Aux euh, oh, securities parce qu'il s'agissait de cycles de crédit. La montée des eaux ne soulève pas toujours. Tous les bateaux de la même manière. Certains bateaux sont de minuscules embarcations de sauvetage sans trop de barrages et d'autres ont des sacs plus lourds qui nécessitent plus d'énergie pour se soulever. Ceux-ci, euh, ce sont euh, eux qui ont euh, des problèmes de crédit. Dans la situation actuelle, le crédit n'est pas le problème. Et la Fed a soutenu l'un de ces problèmes qui pourrait survenir grâce à sa myriade de facilités de prêts et de liquidités. Ricciuto voit un environnement de récupération plus traditionnel qui se transformera en swash, ou celui où une rafale initiale se stabilise. C'est aussi une opinion populaire. Il est clair que certaines zones seront plus lentes à revenir. Cela sera vrai même lorsque le vaccin sera mis au point, a déclaré Young Yuma, stratège en chef des placements à BMO Gestion de patrimoine. Je n'achète pas tellement la Forme K, je pense que c'est davantage une question où certaines industries prendront de 6 à 9 mois de plus pour vraiment reprendre leur élan économique, mais une fois que cela se produira, tout ira ensemble dans la même trajectoire. Il y en a qui rêvent en couleur, le monde dans lequel on était ne reviendra pas, la consommation dans laquelle on était ne reviendra pas, on va voir des changements massifs de réorientation, réorientation de l'économie, du système financier, économique et social que les, euh, le gouvernement mondial va s'apprêter à mettre en place. Vous allez voir, ça c'est mon opinion personnelle. Là. Les données économiques reflètent généralement une reprise à plusieurs vitesses. L'indice de surprise économique City, qui mesure les points de données par rapport aux attentes de Wall Street, est bien au-dessus de tout niveau qu'il avait connu. Avant la crise, l'embauche a finalement repris dans les bars et les restaurants ainsi que les établissements de vente au détail, mais elle est bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie et dépend d'une multitude d'actifs incorporels à venir. Nous sommes entrés dans ce ralentissement sans avoir de grands, de graves déséquilibres dans l'économie qui devraient être corrigés, a déclaré Ma. Le choc externe, oui, est dramatique et nécessite beaucoup d'efforts pour le surmonter et beaucoup de temps et de ressources, mais ce n'est pas le cas. Euh, ce, mais ce n'est euh, pas le cas que les fondamentaux sous-jacents d'économie aient été déformés. Pourtant, certains économistes et élus sont préoccupés par une croissance inégale qui pourrait accélérer les disparités de richesse dans ce dernier cas, devenant particulièrement aiguë à mesure que la chaleur monte en saison électorale. Je vous laisserai ça dans la boîte de description des deux articles. Mais on semble vraiment, et c'est très clair, hein, dans une économie à deux vitesses, une économie pour les riches, une économie pour les pauvres. Une reprise en cas probablement semble être plus euh, adéquate dans ce qu'on est en train de vivre pour décrire ce qui se passe.